Alors ici, on fabrique des connecteurs hydrauliques. Et notre mission qu'on s'est donnée, c'est de simplifier la connectique hydraulique des fabricants d'engins mobiles, chariots, pelles, tracteurs, etc. Nous, on remplace ça par ça. On s'est attaqué très très fort en 2019 à la réduction de consommation de gaz. Et le résultat, c'est que sur le premier semestre 2024, nous consommons très précisément 50% de gaz en moins par tonne de raccord traité. On a fait également le job sur l'électricité, puisque là, la baisse est de environ 30%. L'autre projet important pour nous est le déploiement de notre activité en Allemagne. Alors, le premier contact avec la CCI, c'était en 2011, à la suite de cette effroyable crise de 2009 dans notre secteur qui avait suivi la crise des subprimes. Et à la sortie de cette crise, on était toujours en vie, et on a lancé un programme dynamique avec la Chambre de commerce qui a permis de remobiliser tout le monde vers le futur. Aujourd'hui, on assiste à une chute brutale depuis fin mai de nos donneurs d'ordre. Donc c'est un trou d'air qu'il va falloir traverser, qui va a priori durer jusqu'à la fin du premier semestre 2025. Mais on va essayer de garder cette formidable équipe intacte pour réattaquer de plus belle après.